Yeah. So we just arrived to Rally Ready Ranch, right? And this is Dave, the maniac. Bonjour. Ok, et en fait, on va aller faire un tour de la piste. Ok, we'll put the brights on now. Yeah, bright on. Back right. Down the driveway, looks like some French asshole did a bit of it. Il disait, ouais, là, on est sur son chemin et on a pu tout border avec la Corvette. Oh, GD86. Lots of cars in here. We have. That's so cool. Wow. So cool. Oh là 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 là, les caisses qu'ils ont. Ils mangent pas. It's tiny on the inside and a shit pile of mud through here. Oh, yeah. A bit of water. Oh, wow. Oh, je me prends tout dans la gueule. Il pinch me. I jumped. Ah, c'était un truc de dingue. There's more where that came from. Small bit. Much more. Let's go see if they broke it and then. Hello. No, we don't Jack. Axel, nice to meet you. That's a cool place. C'est n'importe quoi. Hein? C'est yeah, ouf complet. Our current workshops. Dang it. Oh, this one. Is it the car you used for? No, okay. That one, no. Ah, no, the other one have a very big wing and. Yeah. You like my wing? Sure. Oh, no. No. Yeah, wing, okay. Wing and. Yeah, okay. Well, in this country, no. Same. Yeah, this is just a regular Evo 8 rally car. We just put a cage in. Okay. So. Group N, Group A. So it would be closest to like Group N. Okay. Here it's just a, we call limited four wheel drive, so it's very similar to Group N. Okay. Oh, we have woken the bear. Cet endroit est complètement déjanté. Et du coup, Dave, il habite ici. Dave, you live here, right? Yep. Ok. Ouais. En fait, Dave, il habite ici. Voilà. En dessous, il y a l'atelier où il y a la Mitsu. Hein? Oh, j'avais pas vu le mur de Hot Wheels. C'est un endroit de dingue, de passionné de dingue. Ici, il a tout son appartement avec tous ses chiens parce qu'il récupère tous les chiens de la région qui sont perdus. Donc il habite là, en dessous de nos pieds il y a l'atelier où il y avait la Mitsubishi en cours de prépa. Là devant son jardin, là, juste devant, bon il garde ses bagnoles là. Et derrière il y a tout un circuit, genre de rallycross. Et sur la droite, un peu plus loin vers là-bas, il y a un gros bâtiment qu'il est en train de construire. Et il y a une piste qui fait 10 km ouais, dans la terre. This guy is the winner of Open Pikes Peak Rally. Mostly I do speed dogs. Voilà, donc ça c'est sa voiture, Rally Ready. Pikes Peak, à l'époque où c'était encore dans la terre, il y a quelques années, il avait gagné... It was in 2013, right? That I won? Yeah. In 2008, 9, 10. 8, 9, 10, ok. 2008, 2009, 2010, il a gagné la catégorie Open de Pikes Peak avec une Mitsu Evo qui faisait, je crois, 800. 800 horsepower? 600, 700. 600, 700? Ok. Oh, nice! Nice. Race cars, dogs? Il dit qu'il est bien meilleur à éduquer des chiens qu'à faire du pilotage. C'est un mec qui est très humble et beaucoup d'humour. J'aime beaucoup Dave, c'est une vraie merveille. Là, vous avez encore un autre truc qui prouve la passion qu'ils ont pour les bagnoles. C'est un mur de Hot Wheels. Allez, on va vous en choisir une. Qu'est-ce qu'il y a là? Une Honda S2000. Qu'est-ce que tu veux comme type de voiture? La nouvelle Honda NSX? Une El Camino? Mustang. Oh, comme des gosses. Grave, on est des vrais gamins. L'Amérique. Voilà. Bienvenue au ranch, chez Rally Ready. Ça va, Cédric? Au top.
Il est 8h et on a le droit de faire bordel à 9h. Donc là ici on est sur la terrasse du bâtiment de Rally Ready. Donc au-dessus il y a une sorte d'appartement avec les canapés, le réceptif, tout ça, la machine à café. Comment c'est ? On sait pas par où commencer. Il y a de la E86, merde. Eh bien vas-y, je te suis, on va aller voir ça. Des caravanes de partout. Grave. Terre, elle est magique pour tous les passionnés de rallye et ouais, ceux qui voilà qui exploitent des pistes. J'avais roulé un petit peu en France dans des écoles Subaru sur terre et c'est vrai que la grosse difficulté c'est le terrain quoi, ça s'use très vite et c'est assez dur à travailler, c'est beaucoup de boulot et en fonction des terres c'est plus ou moins agréable à travailler. Et là ils ont de la chance parce qu'ils ont une terre qui est un peu sablonneuse, il n'y a pas de gros cailloux, du coup c'est très facile à travailler, comme ils disaient, j'ai toutes les machines pour aussi. Pas où faire le plein de carburant, bah écoute, on a trouvé. Voilà, elle est là la pompe. Ça sent le pétrole ici. Voilà, c'est Cédric qui m'a pris la voiture. Ça me fait très peur. Je vous avoue que je suis pas très à l'aise de prêter ma charrette là. Je sais pas ce qu'il y a. Non, ça a l'air d'aller. Après, ouais, ça va bien. T'as vu l'autobloc quand il déverrouille, quand t'as une roue qui est plus délestée que l'autre ? Plus de pneus, il faut que tu t'arrêtes. Tu l'entends s'arracher le pneu derrière? J'ai l'impression, ouais. Putain, qu'est-ce qu'elle envoie là quand même? Oh là là. C'est bien ou quoi? Ah ouais, ça pute. Je te régale? Ah, ça manquait un peu. J'osais pas te demander parce que le volant, mais merci. Voilà, ça fait très chaud. Ouais, il faut que tu roules. Roule tout doucement, genre en troisième. Il en a 12 des, 12 des vieilles Subaru, les GC8 un peu, mais sans les turbos, ouais. Il d'accord. A 12 hier. Ça ressemble à chez moi, mais en 40 fois plus gros, tu vois. T'as encore une remorque là. Oh, une RX-7. Petite RX-7. Là, il y a la E36, Dodge Ram là-bas. Et là, du coup, c'est... La réserve de pétrole. De pétrole. Petite RX-7. Alors, si vous avez des questions par rapport au Texas, comment ça se passe, comment... à quoi ça ressemble, enfin, peu importe, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Faut qu'on aille voir le petit hangar là. Ouais, on va aller voir là-dedans. Ici aussi, ils ont de la E36. E46, pardon. C'est bien parce que ça n'a pas l'air de trop rouiller hein, au Texas. Hein. Il y a tout qui est ouvert sans fenêtre. C'est clair. Oh
là, dans le carnage, le cimetière de voitures. C'est quoi, c'est une Eagle ça? Voilà, alors celle-là, elle a vraiment de la gueule. Ouais. Ah, sur la page, la page Instagram Rally Ready, il y a des jolies vidéos avec la GT86. Oh, il décolle quasi les 4 roues, ouais, il me semble, ouais, j'ai vu. Ouais. On a pas mal de circuits qui sont créés, alors ils sont pas très grands, hein, forcément, mais on roule beaucoup sur la Grévienne venir au Québec. Et bien écoute, si un jour j'ai l'occasion, qu'on me donne l'occasion d'y aller, je... clairement. Là, il y a de la Subaru. Là. De la soupe. T'en veux des Subaru? Ben t'en as. À gauche. Tiens, regarde, là-bas il y a des coques de Mitsu. Putain, me donne envie ce GT86, mon prof, sur la terre avec les pneus de terre et tout là. Texas, hein. Des pick-up, des grandes remorques, une Airstream, des tracteurs, une E86. C'est moi ou ces amortisseurs, ils sont un peu merdiques là. Tape. Ok. Avancer pour le mettre dans une position, on va le serrer à la main. Vas-y. Ah mais attends, j'ai la clé, je suis équipé hein. Je suis en galère, mais pas tant de galère que ça, c'est pas avec les dents que je vais resserrer les coups. Regarde derrière quand même qu'il n'y ait pas un 4x4 qui nous fonce dedans, ouais, parce que ouais. Les Américains ils savent pas trop conduire ça. Alors expliquer pourquoi c'est pas serré ça? Parce que j'ai pas vérifié. Bon ben voilà, on a eu le souci. On a bien fait de s'arrêter quand même. Moi j'étais plutôt pour continuer, mais on a été prudent, on s'est arrêté direct et en effet la route est en train de se barrer. Ouais. Regardez-moi ça, il manque pas un outil. C'est la première fois de ma vie que j'ai une caisse avec tout qui fonctionne. Oh là là. Attends. C'est fantastique. C'est bon? Allez, feu! Eh, c'était pas vraiment une galère, hein. C'était presque trop facile, il y a un souci là! Camionnette! Berline sportive! Pick-up, 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 pick-up! Eh, si on faisait ça en France, oh, on c'est ferait... là, c'est là, on va rater, ouais, non, on s'en fout. Citadine de merde, citadine de merde. En fait, le shop de Fielding, il est juste en face du circuit nord-américain. Ouais, il est à côté. Vraiment pas mal. De Ron America. Ils vont faire un peu de la piste dessus, du grip. Super bien placé, le Zouave. Pas trop de drift. Ouais, donc là, il y a le shop à Fielding, on va filmer après qu'on y arrive. Regarde à gauche, filme à gauche, là, regarde. Ça, c'est le circuit, je crois que c'est circuit of America, c'est ça, ouais. Ouais. Et ils sont de juste là. La Airstream, une petite RX-7. Oh, une MX-5. Le gros camping-car avec la remorque pour mettre au moins 4 voitures, je pense. Hello! How are you? Aston Martin Vantage GT4.
la soupe. Pick up. Pick up, pick up. Grosse berline dans mon pare-choc. Allez, on éteint. Bon, lui, il sort de la cornette. Pas de pharma, on s'en fout. Hey, happy to see you. Hey guys. How are you? What's up? Yeah, good. Building. Way better driver than me. Not true. Just yeah. Stupid. No, because all French people told me, hey Axel, you was very good. We are proud you finished second, but fielding was better to watch, you know? Yeah. Okay, I know, I know, thank I know you. That. Thank really. You. French people love you. So thank you from France, okay? Yeah. For all everybody. Right. I can't wait to come to France. I want to hang out with you guys. Yeah. And, get to drive some stuff. You will come in France. Yeah. Sure. 100%. For sure. 100%. Sure. You just have to pay a ticket plane. Yeah. And for everything else, it's Extreme Drift. Okay? So he will come soon. I love it. Yeah. I'll wear my shirt every day. Bon, ben voilà. Aujourd'hui, c'est en Lexus qu'on roule. Lexus, c'est Toyota, en fait, hein, si vous ne saviez pas. C'est les seules voitures qui marchent toujours. Alors c'est vrai, c'est lent, mais ça marche. Fielding nous a prêté sa voiture parce que hier soir, Cédric, hein, on a essayé de mettre les amortisseurs sur la Corvette. C'était la merde. Il y a un moyeu, enfin une vis de moyeu qui s'est foirée parce que c'est mal conçu sur ces Corvettes. Et du coup, la roue était coincée. Donc on a dû démonter tout le train arrière pour pouvoir sortir le moyeu, etc. et virer la vis qui était morte. Et là, on va chercher des pièces pour réparer tout ça et on va enfin pouvoir essayer les CIK. J'ai hâte de voir comment ça réagit. Il y a un pick-up avec un cardan pété, il a dû vouloir faire. Tu crois que c'est un cardan? Ah ouais, c'est l'arbre de transmission qui est par terre. Non, c'est l'échappement, non? Non, c'est l'arbre de transmission. Ok. Il est par terre. C'était l'arbre de transmission. C'était l'arbre de transmission. Pick-up. Pick up. Too much pick talk. Up. Too much talk. Ouais, beaucoup trop de coke. Voilà, je viens de faire le plein, enfin le plein, si je puis dire, j'avais 10 balles dans la poche. Donc j'ai mis 10$ et j'ai 4 gallons 81. Voilà. Hein Cédric, 10$, 4 ouais, gallons 81. C'est pas mal. 10$, ça fait l'équivalent de 9,10€. 9,20€. Ouais, 9€ et quelques. Et 4 gallons, 8, on va dire presque 5 gallons, 5 fois 4, 20. Ouais, je dois avoir 18 litres. Ça fait 50 centimes le litre, tout simplement. Voilà, on est dans un village privé, comme on voit dans les séries américaines. Là, on est allé chercher donc un train arrière de Corvette. $150 les 150 deux demi-trains ouais. Complets. Ouais, il y a les moyeux, les triangles inférieurs, supérieurs, à droite, à gauche, tout complet. $150. Tout près. Et le mec habite dans un quartier, ma foi, sympathique. Ok, donc on est bien arrivé. On est ici dans ce quartier, comme vous pouvez voir dans les films. C'est assez marrant. Tout un quartier qui est fermé par des barrières. Voilà. Il y a plein de voitures de sport. Et en particulier, celle-ci, une GT500. Donc là, on a trouvé sur Marketplace un gars qui vendait des trains arrière de Corvette. J'ai envoyé un message tout à l'heure, il m'a dit écoute machin, fais-moi une proposition. J'ai proposé $150 pour les deux demi-trains. Il m'a dit banco, viens les chercher de suite. Et du coup, ben, on est là. Et en fait, c'est un mec qui est passionné de bagnole, forcément. Hein, s'il a un train de Corvette à vendre, c'est pas pour rien. Mais il a aussi une très belle Mustang GT500 et une Corvette C6 blanche. J'adore les Corvettes C6 blanches, elle est magnifique. Et là, on a donc les bras arrière. Voilà, ça c'est les bras, alors ça ressemble à des biellettes de direction, mais en réalité c'est les bras arrière qui font la pince. On a ici le moyeu, nous c'était notre problème hier, c'est qu'il y a cette vis qui en fait tournait sur elle-même, donc on ne pouvait pas sortir la roue hier, on a dû démonter tout le demi-train pour accéder par derrière à la vis. Et voilà, et donc là il me vend le complet quoi. Ici le deuxième, et les bras qui sont là. Voilà, il y a un autre bras ici. Et puis écoute, ma foi, ça fera l'affaire. On va poser ça là.
Oh, manual gearbox. Bon ben, il vient de me dire qu'il a acheté cette voiture avec un salvage title, c'est-à-dire une voiture qui avait eu un choc avant et une portière latérale cassée. Il a changé la porte, il est en train de changer l'avant. Et on lui a demandé combien il avait payé la voiture. $6,000. C'est-à-dire 5 500 euros. Voilà. Donc ici aux USA, avec 5 500 euros, t'achètes une Corvette qui fait 400 chevaux, boîte mécanique, avec une face avant à changer, une portière à changer, pour 5 500 balles. How's it going? Woo! Good? Getting there. Cool. Slowly but surely. Yeah. Same here. Yeah. Axel! We're showing the... It's mechanic. Yeah, I do mechanic. He's That's doing mechanic. On était parti pour acheter un juste le moyeu, c'était $120. Il y en avait un qui était à une demi-heure. Enfin, le roulement complet avec les goujons. Et du coup, là, ben, on a deux fois plus de pièces détachées, de rab. En plus, toutes les pièces en alu, la rotule, le porte-moyeu là, qui est encore en alu. Tous les bras sont en alu. Même le berceau est en alu. Et donc, autant dire que ça pèse pas grand-chose à emmener dans le coffre. Ouais, voilà, ça fait de la pièce de rab pour $150, ça fait 135 euros. Parce que même j'ai deux demi-trains de Corvette, j'ai pas cherché à comprendre. Les étriers, t'as filé les freins aussi? Ouais, j'ai un étrier sur les deux. Mais c'est pas les mêmes du coup, c'est que les disques qui changent. Je crois que c'est les mêmes, c'est les disques qui sont pas les mêmes. Le disque, lui, il a le package Z51 sur la mienne, c'est-à-dire c'est ce qu'on a eu en Europe. En fait, c'est les gros freins, les amortisseurs plus durs, bar stab plus durs. Alors qu'aux US, ils avaient des versions un peu plus confort avec des plus petits freins, avec tout un peu plus petit, un peu moins bien quoi. Il y a Philippe qui nous sort ses playlists pour mettre bien dans l'ambiance et la motive. Là. On est vraiment bien accueillis, il est super bien équipé d'outils. On essaye de remettre toutes les choses à leur place. Cheers. Parce que ouais, ils sont super accueillants, les Texans, ils sont vraiment super sympas, adorables. Ah, les Texans, et c'est on se sent vraiment, depuis qu'on est arrivé, c'est comme si on était à la maison. Quoi. Ok, donc la différence... Voilà la différence entre les amortisseurs. Là, clairement, quand tout le monde dit que les marques, ça vient tout du même endroit, c'est tout la même cam, on va dire, eh bien, c'est pas la même cam. Là, on peut le voir. Déjà, plusieurs choses. On va commencer par le haut. Déjà, ici, on a le réglage compression détente, alors que sur celui-ci, eh bien, il est un peu plus bas. Il est sous la coupelle. Deuxième chose, la coupelle n'est pas la même. On le voit, celui-ci, elle est excentrée pour que l'amortisseur travaille beaucoup plus droit. Celui-ci, en fait, quand on rabaisse la voiture, il travaille un peu de travers. Voilà. Donc déjà, on voit que le design de celui-ci est un peu mieux réfléchi par rapport à la conception de la voiture. Ensuite, au niveau de la coupelle en elle-même, on voit l'épaisseur du métal. Là, ici, on voit que du côté gris, c'est 1 mm plus épais. On voit, ça fait une marche. Même là, si je le mets vraiment en face... Il y a même 2 mm d'épaisseur en plus. On le voit, c'est un peu plus épais. Donc ça devrait être plus solide, normalement. Hein. Tarrage des ressorts qui n'a rien à voir. On voit bien là, c'est des ressorts tout fins, tout petits. Ici, des ressorts beaucoup plus gros. On a également, pour le réglage, ici, comment ça s'appelle ça ? Colliers de serrage. Des colliers de serrage qui sont tranchants. Enfin, je veux dire, avec un angle très abrupt pour que la clé ne rippe pas. Là, on voit que ben, là, avec une clé, ça glisse, quoi, tu vois, ça arrondit. Autre chose, ouais, ça, c'est une belle pièce usinée qui est en aluminium pour baisser le poids de la voiture. Ici, on a une pièce en ferraille qui est soudée. Alors, je vais un peu la nettoyer. Mais voilà, vous voyez, c'est de la ferraille soudée ici, tout le long. Là. Donc, clairement, les deux pièces sont différentes. Ouais, voilà. On voit que la pièce, hein, c'est pas la même cam. Là, clairement, il n'y a pas de comparaison possible. Et dernière chose, à mon avis, une des plus importantes. Ici, on voit le diamètre de... On n'a même pas besoin de mesurer, hein, ça va se voir à l'œil nu. Et là, ici, quand on défait le caoutchouc, on voit bien la différence entre lui qui est très gros et lui qui est très fin, la tige. Donc il y a ça, et dernier point important, eh ben, celui-ci, c'est un truc tout bête, ça vaut peut-être pas grand-chose, mais en attendant, il y est sur le CIK,
c'est qu'il y a la protection et que là, il n'y a pas de protection. We will finish our rear suspension because we stopped, okay? And I will probably help you a little bit, but for me impossible to, because the jet lag. No problem. This part's the easy part, I think. Yeah, but he's not gonna want that. Cédric ? Alors ma poule ? Ça avance ? Ouais, ça avance. Ouais ? On a préparé toutes les pièces là. T'as pas l'air content ? T'es pas content de tout remonter ? On a tout ce qu'il faut ? Si, je suis content. T'es pas content parce que t'as les mains dans la boue, hein, avoue-le. Bon là, avec tout démonté, c'est vraiment pépite là pour installer les CIK. Il y a deux vis en haut. Et là, la rotule en haut, elle est bien costaud. Ouais, elle est bien. Et le filet aussi. Ouais, là, c'est nickel. Je crois que c'est bon là, Axel. Ouais, c'est tout neuf. On achètera une bombe de dégraissant et le Karcher, ça se fait pas chier à le nettoyer, ça. Ouais. C'est pour histoire de le foutre dans un carton et pas trop tout pourrir, mais. T'as raison, je perds beaucoup de temps à frotter. Moi, quand je commence à frotter, j'arrive pas à m'arrêter. Putain, c'est le dernier là, après on retourne dans la Corvette. Plus de jeu dans le train avant. Oh là les là. Suspensions neuves aux quatre coins, ça fait tellement de différence quand tu mets des suspensions neuves là que tu avais des suspensions rincées là à chaque fois, c'est un bonheur. Tu redécouvres la voiture. C'est trop bien quand on monte tout dans le bon sens au lieu de avec la roue sur la voiture, sur le moyeu. Là tu mets les deux cylindres blocs là dans les encoches. Ici tu baisses le triangle, tu mets la petite rotule dedans. Hop, tu montes le tout, tu fous ton écrou ici. C'est en place, c'est cela ? Je sais pas là-bas. On va mettre pour anticiper parce que je sais qu'on va démonter 50 fois ça sur le trip, on va tout casser à chaque fois. Ouais. Là, parce qu'on est un peu des bourrins quand même, hein, enfin, surtout moi. Mm-hmm. Ouais, on peut voir la boîte, les 4 sorties d'échappement et tout le berceau alu. Par contre, ils ont pas eu peur hein, de faire passer des câbles électriques et câbles de frein contre l'échappement. Ils ont mis une petite gaine dessus, de chaque côté. T'imagines toutes les possibilités de réglage là en drift. Ah, c'est débile. Mais et d'origine. Mais d'origine, c'est ça. Changer, là. C'est ça, t'as rien à faire. Génial, la caisse, on peut la poser au sol, avoir les suspensions à plat. Mais une fois que tu mets 4 CIK, les un amortisseurs kit grand angle avant, un frein à main hydraulique et tu roules. T'as rien besoin de plus sur cette voiture pour faire une bonne voiture de drift. Vous avez compris en France, hein, achetez tous, vous tous une Corvette pour Non, dis pas ça, les prix vont augmenter. Les moins chers, elles sont pour moi. T'es fou, elles sont à 30 000 ou quoi en France. Je pourrais jamais m'en payer une à ce prix-là. Ici hein, on a, le mec qu'on a vu ce matin, là, la blanche, il a payé 6 000 dollars la Corvette. La même 5 500 euros. Axel, il pensait déjà avoir fait une affaire, mais alors lui, c'est encore pire qu'une affaire qu'il a payé. Ça prend forme. Ça prend forme. Voilà. La vis du dessous est maintenue là, elle est mise au niveau du triangle inférieur. Là où... sont vraiment sympas les, voilà. Les suspensions, enfin de la setup. Regarde les coupelles, en juste fait, pour te montrer. D'origine, c'est des ressorts à lames. Tout à fait, d'origine en fait cette voiture elle a des lames qui parcourent d'un côté à l'autre de la voiture et ces lames en fait, comme sur un pick-up, sauf qu'au lieu d'être en long, longitudinal, elles sont latérales et ces lames font office en fait de ressorts. Ça a des qualités, des inconvénients, mais pour faire simple, quand on monte des combinés filetés, c'est une pièce en une où il y a le ressort qui est intégré, c'est beaucoup plus simple. Et également, l'avantage, c'est que ça permet de se régler, tu peux régler les pré-contraintes, etc., ce qui est compliqué de faire sur des lames. Là, on voit qu'on a monté, donc toi, tu as monté la coupelle supérieure. Alors, il y avait un truc qu'on avait remarqué, quand même, on va le dire à ceux qui pourraient acheter des combinés filetés pour la Corvette. Il y a une particularité à savoir, c'est que le réglage, attends qu'on filme bien, le réglage du combiné fileté se fait au-dessus de cette coupelle. Donc il faut envoyer le doigt ici, il y a un petit espace, et là vous voyez que mon doigt, je sais pas, on va pas entendre ce qu'il y a de musique, mais tac, je viens de changer le setup. Voilà, soit je pousse comme ça et la molette se desserre, soit je tire et elle se serre. Donc en fait, au début on pensait que c'était compliqué d'accès et en fait pas du tout, vous voyez, j'envoie le doigt, c'est tout en haut, c'est accessible. Alors vous le voyez pas,
tourner, mais de toute façon, c'est un nombre de clics. Vous allez complètement dévisser, desserrer jusqu'à ce que ça se bloque. Et après, vous faites votre réglage en faisant clic par clic. Et ça s'entend très bien. Donc, il n'y a aucun souci pour pouvoir régler votre amortisseur comme ça. Axel. Ouais. La roue est en place. Ça y est, on commence à remonter la roue. Vas-y, serre-moi ça, les goujons de roue bien fort à la péteuse là. Ouais, voilà, finisse. Pour que ça finisse comme ça là, tout défoncé, qu'on en finisse, ouais. Qu'on prenne un billet d'avion et qu'on rentre à la maison. Regarde ces beaux pneus tout neufs. Bon, ça c'est poubelle. Les beaux amortisseurs tout neufs. Ça c'est poubelle. Tout est nickel sur la voiture, tous les cylindres blocs et tout, il n'y a rien de craquelé, il n'y a pas de rouille. Elle est vraiment. Moi, je me fais pas trop de soucis pour le trip. Qu'est-ce que tu fais, Axel? Oh non, t'as. Tu vas ouvrir la portière? Oh merde. Attends, la voiture est. Ah, ça y est. Ah, oh, putain. Allez, on est parti. Ciao, l'orange. À plus tard. Ciao, l'orange. Premier circuit. Harris Hill Raceway. Je pense que ça va être bien, j'ai vu des vidéos sur YouTube il y a quoi, il y a 6 mois, un an de ça. Ça avait l'air super chouette. Donc bah écoute, voilà, c'est aujourd'hui, day one. Ça va être la dinguerie. Et ben bah, la vitesse limitée, la vitesse max c'est 130 km/h. Non pas du tout, c'est moi qui roule à 130. Guys excited? Oh yeah. So damn, crazy. I'm here. Yeah. You made it. I made it. Là, t'es en train de réfléchir, je te vois de là-bas, quelle connerie tu vas pouvoir envoyer. Pas du tout. Parce que là, il a Luc Fink, là, Luc, il les a choqués, là. Ouais. Non, mais en fait, c'est tout con. Il est arrivé, il a fait un petit marché arrière, il est apprenti, mais juste à côté du truc là-bas. Tu vois? Tiens, avant demi-tour, il arrive en marche comme ça, et hop, il est reparti, il a refait la boucle comme tu viens de faire là, un peu en marche avant. Ouais. Ça doit être dur de faire en marche arrière, là. En fait, il s'est envoyé comme en spin, et il a remis gaz. Tu vois ce que je veux dire? We'll be right back.
mec, on est au Texas avec les Lone Star Drift. On est au premier jour et on est en train de faire du drift en quatrième en Corvette, quoi. C'est genre comme sur une caisse de course en 5.36. Dans les baquets.